Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Du coup là je vous retrouve pour un méga review lecture puisqu'on va parler de mes lectures de mai, de juin et de juillet. Donc là vous voyez pas mais j'ai une pile absolument faramineuse qui fait à peu près cette taille de livres posés à côté de moi. Donc là je vais les prendre vraiment un par un, je vais pas forcément faire par mois. Je vais les prendre vraiment un par un puis je vais vous les présenter. On commence tout de suite avec le premier, je vais essayer de ne pas faire tomber la pile. Il s'agit de Suquan Island de David Van. Alors celui-là, je l'ai lu parce que je rentre en BP librairie à la rentrée et j'ai 10 livres imposés à lire. Et donc celui-là, il en faisait partie. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un père qui emmène son fils dans une île sauvage de l'Alaska et ils vont vivre vraiment à la route, quoi. Vraiment, ils vont aller tailler eux-mêmes le bois pour le feu, etc. Chercher leur propre nourriture. Donc c'est assez angoissant comme ambiance. Ça va partir en couille totalement, le père est totalement dépressif, donc ça déteint sur son fils, bref, ça va partir totalement en vrille. Il est assez petit à lire, franchement, mais il se lit vraiment très bien, je vous le conseille à fond. Si vous aimez un peu comment dirais-je, peut-être limite un thriller un peu psychologique, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, moi, c'est pas une lecture, c'est pas, enfin, ça sortait un peu de ma zone de confort. Mais j'ai adoré, voilà. Ensuite j'ai lu Prince Captif, donc le tome 1 et 2 qui sont parus chez les éditions Bragelonne. Il y a des nouvelles éditions, donc c'est celles-ci, elles sont trop belles je trouve, enfin, elles sont juste magnifiques. Et il y a donc le tome 1 et le tome 2 dans un seul livre et le tome 3 et 4 je crois dans un autre livre. Je sais plus s'il y a 4 tomes ou 3 tomes, enfin bon bref, en tout cas là il y avait le tome 1 et le tome 2. J'ai bien aimé, j'étais un chouïa déçu parce que je m'attendais, vous allez me prendre pour une obsédée, mais c'est pas grave. Je m'attendais à plus de spicy quand même. En fait, ça restait relativement sage. Après, voilà, j'ai quand même bien aimé la relation entre Damien et le prince Laurent. Mais voilà, je m'attendais à un peu plus de spicy. Peut-être que ça vient dans les tomes suivants, je sais pas. Donc je lirai la suite, ça c'est sûr, mais pas forcément tout de suite. Alors oui, j'ai pas précisé, mais là je vais essayer d'aller un peu vite sur tous les livres si vous voulez. Mon avis détaillé, la plupart sont déjà répertoriés, enfin sont déjà reviewés sur ma page Instagram. Mais là je vais essayer d'aller un peu vite parce que sinon on va pas s'en sortir. Et aussi désolée si le cadre a bougé, mais j'ai dû aller chercher mon micro que j'avais oublié. Donc voilà, pour le son c'est mieux d'avoir un micro, donc c'est parti, on continue. Ensuite du coup, nouvelle lecture imposée pour le BP Libraire, il s'agit de Le Vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Donc là il est vraiment très très court, je l'ai lu en une soirée. Bah j'ai pas trop aimé, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Antonio José Bolívar qui en fait va défendre une tribu indigène quand ceux-ci vont se voir accusés de meurtre. Ça se lit vite mais voilà, c'était pas... ça restera pas dans ma mémoire quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient aimé Luis Sepúlveda, j'ai vu ça un peu sur les réseaux. Moi... ça m'a pas, voilà, c'était rapide à lire, c'était pas désagréable, mais il me restera pas en mémoire. Ensuite, là, on arrive à un livre que j'ai fini récemment, il s'agit de L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. J'ai adoré, donc si vous savez pas, c'est le premier d'une tétralogie où on va suivre en fait deux jeunes filles dans le premier... Dans le premier tome, elles sont enfants, et il y a Elena et Lila, et en fait Elena va avoir la chance de pouvoir aller à l'école, à l'université, etc., à s'élever, alors que Lila, elle ne va pas avoir cette chance, alors qu'elle a des capacités assez hors du commun. C'est vraiment une plongée dans le Naples des années 50, c'est vraiment, c'est des petites scènes de vie, en fait, qui sont décrites, avec plus ou moins d'intensité et plus ou moins de caractère grave, mais franchement c'est vraiment un super super bouquin, j'ai trop hâte de lire la suite. D'ailleurs j'ai trouvé les trois premiers tomes pour 3 € en recyclerie, donc j'étais trop trop contente parce que je les cherchais d'occasion. Du coup voilà, le premier tome est vraiment, je vous le conseille, il est à la fois ingénu, un petit peu innocent, et à la fois il y a des problématiques un peu graves qui sont soulevées, donc voilà, je vous le recommande à 100% si vous voulez vraiment vous plonger dans l'Italie des années 50. On passe au suivant, il s'agit de Le secret du roi de Marie Valente. La couverture est trop belle, mais grosse déception. Grosse déception pour ce livre. J'en attendais beaucoup, l'univers avait l'air hyper prometteur et en fait, j'ai pas réussi à accrocher. Je trouvais que les personnages n'étaient pas travaillés, je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup de longueur.
Il y avait aussi des ressemblances, alors je sais pas si c'était fortuit ou si c'était voulu, mais il y avait des ressemblances avec Outlander et je trouvais que c'était pas très. Ça collait pas trop en fait avec l'univers du livre. Donc voilà, j'ai pas. Je vais pas m'étendre 3 heures là-dessus. Je trouve que les personnages n'étaient pas travaillés, qu'il y avait pas trop de. Il y avait beaucoup beaucoup de longueur, pas trop de profondeur, donc je passe mon chemin pour celui-là. Ensuite, j'ai lu Cogito de Victor Dixon. Donc celui-là, je l'avais acheté à l'occasion d'une dédicace de Victor Dixon quand il était venu à Lyon. Je l'avais acheté un peu par hasard et j'ai surkiffé. C'était trop bien. De toute façon, comme tous les Victor Dixon, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui m'a déçu. Celui-là, il est vraiment trop bien. On y parle d'intelligence artificielle. En fait, c'est des jeunes qui vont arriver sur une île complètement, comment dire, gérée par les intelligences artificielles. Et ils vont en fait avoir un programme de cyber-bachotage pour réussir leurs examens. Sauf qu'évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Les intelligences artificielles vont commencer à déconner, etc. C'est assez angoissant. La fin est hyper angoissante. C'est très travaillé. Les personnages sont attachants. Le plot twist est juste incroyable. Du coup, vraiment, foncez voir, enfin, foncez lire Cogito. Il est assez long, mais franchement, je veux dire, ça se lit tout seul, c'est tellement bien que c'est un vrai page-turner. Donc, j'ai surkiffé ce livre Cogito et je ne peux que vous le conseiller. En plus, comme vous voyez, la couverture est juste trop trop belle. On va passer à un nouveau livre avec une couverture juste sublime, sublime. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson. Ah, que je l'attendais, cette sortie. C'était vraiment, je pense, la sortie que j'attendais le plus de l'année et au final, déception. Deception, parce que je trouvais que en fait il y avait un, enfin c'était super prometteur. Le monde était travaillé, les personnages aussi, la mythologie de l'univers était aussi développée et ça c'est un truc que j'adore dans les livres. Mais franchement trop longueur quoi, vraiment beaucoup 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 de longueur et de passages d'inaction et du coup en fait si vous voulez je lisais mais sans lire en fait j'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire. Et vous verrez il y a un autre Margaret Rogerson dans la liste. Et en fait, ça me fait ça avec à peu près tous les livres de Margaret Rogerson. Je sais pas pourquoi, les histoires me tentent trop, mais j'arrive pas à me plonger dans ces bouquins et du coup, je lis sans lire quoi. Et je me souviens rarement de la fin. Sorcerer of Sand, je sais que j'avais bien aimé, mais pareil, je m'en souviens pas du tout. Vespertine, je m'en souviens très peu. Voilà, donc je sais pas ce que j'ai avec les livres de Margaret Rogerson, parce que pourtant ils sont beaux et ils sont. Enfin, les quatrièmes de couve ont l'air super. Mais voilà, j'arrive pas à me plonger dans ces livres, je sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait ça avec un auteur ou une autrice particulière. Parce que moi je sais que c'est vraiment que avec elle, je sais pas pourquoi, mais les 3 livres que j'ai lus d'elle, ça m'a fait la même chose. Ensuite, on va parler cette fois-ci d'un manga. Il s'agit de Monster de Naoki Urasawa. Donc celui-là, je l'ai lu un peu. Il traînait dans. Il était à mon conjoint en fait. Il traînait un peu dans la bibliothèque et personne l'avait lu. Je me suis dit tiens, je vais le lire parce que j'avais. Je crois que j'avais fini un livre et j'attendais une sortie de livre qui devait arriver le lendemain. Du coup, je voulais un truc à lire dans la journée quoi. Gros gros coup de cœur sur ce manga. C'était pas gagné à la base parce que c'est un peu un truc de pas d'enquête aussi. Il y a une enquête, c'est un peu une histoire de meurtre, etc. Donc moi c'est pas trop trop mon délire, mais en fait franchement on s'accroche tellement à l'histoire, c'est hyper prenant. En plus en manga du coup bah les dessins sont hyper parlants et j'ai surkiffé quoi. J'ai adoré, je l'ai sifflé. Donc je vous montre pas, mais j'ai également lu le tome 2. En fait je crois qu'il y a là c'est les c'est rassemblé en volume en fait, donc il y a plusieurs tomes dans un seul bouquin. Il me semble qu'il y en a 8 ou 9, je crois, en tout. Moi j'ai lu que les 2 premiers pour l'instant, mais le pareil, le deuxième, gros coup de cœur, j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite, c'est vraiment trop, trop, trop addictif, trop bien. Je vous le conseille à 100%, même si vous aimez pas trop les enquêtes, les histoires de meurtre, etc., je suis sûre que vous allez adorer. Ensuite, on passe à Nos corps jugés de K. Catherine, pas Caroline, j'allais dire Caroline, de Catherine Cuenca. Alors ça a été une lecture ultra difficile, donc déjà je vais vous dire de quoi ça parle. En fait, il s'agit de Myriam, 17 ans, qui se fait violer. Et en fait, ça se passe en même temps que le procès du viol. Le procès du viol, c'est un procès qui a fait basculer en fait le viol de délit à crime. Donc voilà, si jamais vous connaissez un peu mon histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, bah j'ai enlevé la vidéo parce que j'étais pas très à l'aise avec. Mais voilà, en gros, j'ai subi un petit peu la même chose que ce qu'elle raconte dans le livre. Donc du coup, c'était une lecture très difficile pour moi.
C'était vraiment, enfin, je savais que ça allait être compliqué quand je l'ai acheté, mais vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une lecture nécessaire. Il est vraiment, enfin, il est court, quoi. Il est court. C'est un livre jeunesse et je pense que c'est vraiment à mettre entre toutes les mains comment dire, pour démocratiser en fait les agressions et pour voilà, juste pour que ça n'arrive plus en fait. Donc voilà, ce livre, c'est vraiment une grosse grosse pépite. Il se lit très très rapidement. C'est voilà, il faut s'accrocher parce que même quand vous n'avez pas vécu quoi que ce soit, je pense que c'est un livre qui prend quand même aux tripes. Donc il faut s'accrocher, mais franchement, ça se lit très très facilement, c'est fluide et voilà, je vous le conseille à 100%. Ensuite, je vais parler de la suite d'une saga. Donc là, je vais parler des deux tomes en même temps. Il s'agit de La Cour des Miracles et La Cour des Ouragans, toujours de Victor Dixon, donc la suite de La Cour des Ténèbres. J'ai adoré autant La Cour des Ténèbres. Je pense que c'était le Dixon que j'avais le moins aimé. J'avais bien aimé, mais sans plus. Autant La Cour des Miracles, j'ai adoré. C'était juste trop bien. Et La Cour des Ouragans, pareil, j'ai surkiffé. Ça se passe avec des pirates sur un bateau et je trouve qu'on n'a pas assez de romans français, de romans tout court d'ailleurs, de pirates, des bons romans de piraterie qui se passent sur des bateaux, etc. Donc j'ai vraiment surkiffé. C'était au top. Le plot twist dans le tome 2 est juste incroyable. Et donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fin de la trilogie avec... ce personnage-là, parce que en fait il va faire 3 tomes par 3 tomes et tous les 3 tomes on va suivre un personnage différent en fait. Donc là j'essaie de me rappeler comment elle s'appelle mais je me rappelle plus. Jeanne, voilà, Jeanne Froidlac. Donc là c'est la fin de la trilogie avec Jeanne Froidlac et pour le suivant. Il me semble que c'est marqué dans le livre que ce sera sur Raphaël de Montesquieu, pour ceux qui ont lu le premier tome, voilà, vous savez de quoi ça part. Mais en tout cas, si vous n'avez toujours pas lu cette saga, franchement, foncez, parce que c'est hyper original, c'est une plongée dans le 18e siècle chez Louis XIV, mais en même temps, c'est à la sauce vampire, donc c'est juste un bonheur, un régal à lire. Du coup, je vous en parlais tout à l'heure, je vais vous parler de Enchantment of Ravens de Margaret Atkinson. Donc du coup, un peu comme pour Vespertine, bon, j'ai mieux aimé celui-là que Vespertine, quand même, je suis plus rentrée dans l'histoire. Mais voilà, je l'ai lu... En fait, je l'ai assez traîné, parce que du coup, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, alors que vous voyez, il est pas très long. Mais voilà, pas ouf. En fait, c'est l'histoire d'une jeune artiste, Isobel, qui, en fait, sans le vouloir, par son portrait, fait du tort à un fée. Et du coup, elle va être emmenée, en fait, sur la terre des fées pour répondre de son crime, en gros. Les personnages étaient un peu gentillets. Si je devais résumer ce mot, en gros, ce serait un peu gentillet. Pour moi, c'était... Voilà, il n'y avait pas non plus des enjeux incroyables, voilà. Donc, c'est une lecture agréable. Que je regrette pas d'avoir faite, mais voilà, ça restera pas non plus gravé dans ma mémoire. Autre lecture, autre ambiance, il s'agit de Rêve, le tome 1, Le cœur des flammes, de Cédric Roux et Robin Marcoux. Alors ce livre, mais comment vous dire, la fin, je l'ai acheté vraiment un peu sur un coup de tête à Livre Paris, parce que la couverture voilà, elle est un peu cheapos, elle n'est pas forcément super jolie, mais la quatrième de couverture me plaisait bien. Il s'agit de l'histoire de Kylian, qui est un adolescent retrouvé inconscient dans le désert et qui va voir sa vie basculer suite à une bataille dévastatrice. Commence alors un long voyage dans l'inconnu aux côtés de Samantha, une jeune fille sensible et intrépide, et Terek, un officier courageux prêt à tout pour protéger l'Empire face à son plus grand ennemi. Donc là, il y a des scènes de combat, des scènes épiques, des scènes d'amitié aussi, mais surtout cette fin, les amis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, mais vraiment, je crois que c'est l'un des plus gros plots, enfin, c'est un plot twist de malade mental, donc je comprends pas pourquoi ce livre n'est pas plus connu. Parce qu'il se dévore, mais quand je vous dis il se dévore, donc franchement, allez leur donner de la force, il y a un tome 2, je sais pas s'il y aura d'autres tomes, mais je sais qu'il y a un tome 2 que je vais me procurer très vite. Franchement, allez vous procurer ce tome, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon, sur un peu toutes les plateformes possibles. J'ai oublié de préciser que c'est aux éditions Farallon, donc voilà, vous pouvez aussi l'acheter directement via les éditions Farallon. Franchement, allez-y, mais foncez, laissez la chance au produit, il est juste trop bien, et vous me direz des nouvelles de ce plot twist final, mais c'était juste incroyable. Ensuite, on va parler d'une petite déception, puisqu'il s'agit de Chuchara, de Anthelme Hochkorn, pardon, et Emmanuel Chastelière. Ça commençait super bien, j'ai adoré le début, j'étais vraiment dedans, et puis dès l'arrivée à Chuchara, en fait il s'agit de l'histoire
d'une jeune fille qui s'appelle Jeanne, qui va à Chuchara en fait pour retrouver son frère, parce que en gros ça se passe dans notre monde actuel, mais un peu à la sauce désastre écologique, où voilà, il y a des grandes sécheresses, pardon, etc. Et du coup Chuchara c'est un peu un îlot préservé au milieu de toute cette débandade écologique. Et du coup Adam, le frère de Jeanne, est parti non le frère Oui, le frère de Jeanne, pardon, est parti à Chuchara et en fait il est jamais revenu. Du coup, Jeanne va chercher à rentrer dans la ville pour retrouver son frère. Donc le début, j'ai trouvé que c'était super prometteur. C'était tout se déroulait assez vite, donc c'était vraiment accrocheur. Et puis ensuite, dès l'arrivée à Chuchara, ça s'est gâté. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de longueur. Les personnages secondaires étaient assez antipathiques, j'ai trouvé. En tout cas, je m'y suis pas du tout attachée, ni reconnue, quoi que ce soit. Et la fin. Alors la fin est surprenante, mais en fait elle tarde tellement à arriver que du coup ça s'essouffle un peu. On pourrait croire à un tome 2, mais apparemment non. Donc voilà, c'est un peu une fin ouverte, un peu une fin un peu de poisson. Donc si vous n'aimez pas ça, eh bien ne lisez pas ce livre. De toute façon, moi je vous le recommande pas spécialement. Après c'était une lecture agréable, mais voilà, pas non plus. Voilà, c'est pas un sou, j'en garderai pas un souvenir mémorable, c'était quand même une petite déception. On arrive vers la fin de cette review lecture, puisqu'il me reste deux livres à vous montrer. Et du coup, l'avant-dernier, c'est le roman graphique After de Anna Todd. J'ai pas lu les After, mais j'ai lu du coup le premier tome comme ça en roman graphique. J'ai beaucoup aimé. J'avais très peur en lisant le truc que ce soit mièvre, niais, un peu la. Je vais dire à la 50 nuances degrés, mais voilà, un peu. J'avais peur que ce soit un petit peu niais. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer les dessins. Moi, j'ai beaucoup aimé le style des dessins. Il n'y avait rien de vulgaire. Alors voilà, c'est un livre, un roman un peu spicy, mais il n'y avait pas de dessin vulgaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous le recommande. Si vous n'avez pas lu les livres After, bah voilà, je vous recommande tout à fait de le lire. Je sais pas dans quelle mesure c'est fidèle au livre, donc si jamais vous l'avez lu, peut-être que vous serez un peu déçu parce que ça sera peut-être pas assez fidèle. Mais si vous l'avez pas lu, en tout cas, je vous conseille de vous plonger dans la version graphique parce que les dessins sont super beaux et l'histoire est plutôt pas mal. Et enfin, on va terminer avec le livre probablement le plus beau de toute cette sélection, puisqu'il s'agit de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Alors, j'ai failli avoir du mal avec ce livre parce que au début, il y a énormément de noms à retenir. Et il y a aussi énormément de complots politiques. Donc si vous n'êtes pas amateur de complots et de politique, clairement, passez votre chemin, parce que vous n'allez rien comprendre et ça va vous saouler. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stratégies dans ce livre. Et il y a aussi énormément de noms, de personnages à retenir, donc ça peut être un peu rebutant. Mais franchement, une fois qu'on rentre dedans, c'est juste incroyable. L'intelligence avec laquelle c'est écrit, c'est juste super. En plus, ça nous permet de découvrir la Chine, en fait. C'est vraiment une plongée dans la Chine du Moyen-Âge. Donc c'est très très dépaysant. Il y a une petite romance femme-femme qui est plutôt émouvante. Enfin moi en tout cas elle m'a beaucoup émue. Je crois, il me semble qu'il va y avoir un tome 2. Donc, enfin qu'il y a un tome 2. Donc voilà, mais cette fin était juste incroyable. Je ne peux que vous conseiller de le lire. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Mais en tout cas si vous n'aimez pas les intrigues, si vous n'aimez pas les complots, bah passez votre chemin parce que là c'est sûr que vous allez pas aimer. J'en ai fini avec ce top, donc j'ai même pas compté combien il y avait de livres, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais essayer d'être plus régulière, mais c'est vrai que là je suis partie en vacances, etc. Donc j'ai pas vraiment pu vous faire de review. Mais je vais essayer d'être plus régulière, de vous faire un bilan lecture tous les mois, comme ça ça m'évitera d'en avoir 40 000 à présenter d'un coup. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir des livres, que ça vous aura donné envie de lire certains titres, et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!